Je n'ai plus ma caméra. Non, je vous prends pour le vlog de Spain. Et en fait, on vient d'arriver à Tarragone. Et j'ai voulu allumer ma caméra, sauf que je ne sais pas, mais ma carte SD ne se lit pas. Voilà, donc je suis dégoûtée. Donc soit j'irai acheter une carte SD en Espagne, là, soit je vais tourner qu'avec mon téléphone. Mais je pense que je vais opter pour la deuxième option parce que j'ai plein de cartes SD à l'appart. Donc j'ai pas envie d'acheter des cartes SD pour rien. Sinon, il est 17h, on est samedi. Dans 24 heures, on est sur scène. Enfin, moi, je serais déjà passée. Simon sera en train de pumper. Donc, pour vous dire un petit peu, on est arrivé il y a 2-3 heures en Espagne, là, à Tarragone. On est parti ce matin tôt de l'appartement. Enfin, vers 9 heures, tranquille. Et puis là, nous sommes arrivés dans l'appart-hôtel. Je vais vous faire un petit. Il est grand, le standing là, Ouais. chaque année on augmente, mais là c'est de compète en compète, c'est pas chaque année et d'année, mais c'est vraiment de compète en compète. Bon, là-bas, t'as l'entrée. Ici, il y a la grande cuisine équipée, Là salle à on manger. recharge, Là, on va manger, ouais. propre. Propre, toujours. Le salon, bon, là, le frigo et tout. La salle de bain, je viens de prendre une douche. Je sais pas ce que ça va donner la qualité à filmer au téléphone. On voit pas grand-chose. Hein. Je viens de prendre une douche et ça fait le plus grand des biens. La douche est immense. Et après, on a une super grande chambre avec un lit immense aussi. Bref, je ne sais pas, c'est une bonne question. À 17h30, faut qu'on démarre pour aller récupérer les numéros, trucs d'enregistrement. 18h30, c'est le meeting athlète et 20h, c'est le meeting des pros. Faut me rencontrer, parce que moi je suis quelqu'un de connu et de super sympa, donc Faut signer des autographes. Bon, c'est nos petits check-up du physique, ça donne quoi? Ça a l'air d'aller, hein, ouais. Ça va, ça va. Là, c'est bien. Bref, je sais pas du tout ce que ça va donner un vlog filmé avec mon téléphone. Ça sera une Bravo. première. En plus, il est encore un peu tanné. Mais on est encore un peu tanné. Un peu. Il y a encore un peu de flotte à dégager. Ça va partir. C'est cool. Écoute, toi, Charlie. Allez, à plus tard. C'est dimanche, on est le lendemain. Il est, je crois, 11h, 10h. Et aujourd'hui, on s'est calé. Regardez-moi ça, comme on n'est pas trop bien calé. On suit notre direct. Voilà, on suit le direct de la compétition. Et ça, c'est le feu. Parce que du coup, tu peux rester au Airbnb, t'es pas obligé d'aller à la compète pour savoir où ça en est, de paniquer quand est-ce que tu vas passer. Là, on sait qu'il y a tant de retard. On sait qu'ils en sont à tel endroit, il y a telle personne sur scène, c'est trop bien. Et on est à 5 minutes à pied. Et ça, c'est le feu aussi, parce que du coup, on peut y aller à pied en 2 secondes, quoi. Et revenir à l'appart si besoin. Et on a vraiment trop trop bien dormi. Hier soir, on était capoute. On a bien mangé. On avait pris le petit coup d'eau de vie. Simon, il s'est pris un gros shoot dans la gueule. J'aurais pas pris autant, parce que c'est fort. Putain, elle est magnifique. Au niveau de la shape, on est contents tous les deux, on est plus remplis que la semaine dernière par rapport à UK. Tout aussi sec. Et tout aussi sec. Moi, au niveau des jambes, je me trouve bien, je suis contente. Le seul truc, c'est que là, on est allé marcher pour aller faire des courses. Et du coup, on a les jambes un peu chaudes qui ont bien vascularisé. Donc là, on met les jambes en l'air.
Et puis voilà, en tout cas, on a fait les petites courses au Spar ce matin pour demain matin. On s'est pris des œufs, demain matin, je me fais une omelette avec du fromage dedans. Et du ramon. Il n'y a pas de crumpet. Il n'y a pas de crumpet en Espagne, non. Mais il y a des beignets dans tous les sens. Alors, les trucs frits, beignets, sucrés. Ouais, c'est espagnol. Oh, trop mignon, la fille, t'as vu ce qu'elle a fait. Et elle, derrière, en bleu, là, des fois, elle compétitionne en figure. Et donc, voilà, donc on a le temps, là, on va commencer à prétaner, je pense, à 11h. Parce que du coup, hier soir, on ne s'est pas prétané, ça sert à rien. On a l'après-midi pour la compétition, donc on avait la matinée pour se préparer. Je vais me maquiller aussi, puis voilà, on va se préparer tranquillement. Oui, on va pas y aller, on va être tranquille. Là. Ouais, tranquillou. À toute allure. Ça y est, on est tanné. Moi, je viens de m'habiller là. On est tanné, on est beau. On mange un petit peu. On a vu sur le live qu'ils ont une heure de retard, donc on est vraiment trop tranquille. Quand on a le live en direct, c'est vraiment royal. Ouais. On se croirait presque à Olympia. On a le live en direct. Et ce qui est bien, pour ceux qui ne savent pas, en compétition, quand vous avez l'écran derrière et que l'écran vous filme en direct, quand vous êtes en position de dos, vous voyez votre dos. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que vous avez vraiment visuellement, on voyait que je sais pas, il faut un peu siphoser ou il faut un peu s'élargir. Voilà, ça aide vraiment pour restructurer un peu le posing de dos et ça, c'est génial. Ça te guide bien. Bon. Oui, il y a une bonne lumière là en plus. Ouais, c'est pas mal. Hein. Muy bonito. Bref, mais voilà. Donc au niveau de la préparation pour moi, pour les girls, j'ai fait exactement pareil qu'à UK. J'ai fait peut-être un chouïa plus foncé. Merde. Tu vois là, j'ai mis un peu plus de foncé, mais voilà. J'aime bien faire. Oh, pardon. J'aime bien faire ce maquillage. Et voilà. Et au niveau du bikini, du coup, bon, toujours la même chose. Et je serai le Z99. Et après, du coup, ce matin, quand vous venez. On s'est pris des petits trucs pour demain matin, donc moi je me suis pris, on s'est pris des œufs, j'allais faire des œufs brouillés avec du fromage râpé et du jambon. J'ai pris aussi un espèce de skyr, alors eux ils ont pas ça ici, enfin pff, ils te mettent des trucs, c'est censé être protéiné, t'as 4 grammes de protéines, 5 grammes, ça fait chier. Bon ça c'est pour Simon. Je me suis pris ça en post-scène avec de la confiture d'abricot. Je sais pas ce que ça va donner mais j'ai trop envie de saler en fait. Et après là il y a les cookies, donc je sais pas si je vais en prendre un pour monter sur scène avant. Et ça c'est tous les laits que Simon il adore là. Et ça c'est pour amener en post-scène aussi. Voilà, trop simple, on va pas tranquille cligner la bête. Je vais me poser. Et puis bah je vous reprends un peu plus tard. A ver quién sale ahora, está muy aclamado que sale ahora, no sé quién es. Una niña muy bonita. Sí. Mira cómo se hace grande, lo que comentamos antes. Sí, sí. Saber no sacar. Se hace muy grande. Un gasto vehicular que tome un poquito de. Muy buena espalda, le va a quedar. Claro, claro. Todo vlog. Y al final, un poco. El figure es eso, buscan un torso fuerte. Algo fuerte aplauso a todas las competidoras que ya las tenemos en Tanima y le damos paso a Jimmy para que empiece con la valoración. De tuerca aquí. We have number. La izquierda de todo, la forma. Right. Muy bonita. Es una pasada.
dos tienen algo. Claro, ahí le tiene un punto muscular más fuerte, la otra tiene una línea quizás más encaja más, más fina, otra un punto más seca, otra más un poco más no tan definida. Muy complicado, tío. Es muy difícil, ¿eh? Igual tiene alguna categoría, así que algo más generalizado en la parrilla. Aquí. Aquí está complicado. Está complicado. Y además son categorías bastante como ambiguas a veces, de que nadie sabe exactamente qué están pidiendo, lo que están. No sabes la línea. El límite. Es indefinido cuando vas a campeonato de la máxima. Exacto. Vale. Van a comparar un poco la chica de la izquierda con la de medio, que es una torre muy buena. No se oscura. Mayra va a brutal. La chica es brutal. Number 67, switch places. Mira, mira, mira su movimiento. Este movimiento. A lo mejor aquí están prendiendo un poco más ya. El punto que se queda que tiene, ¿no? Que quizás en un bikini. Fíjate que han posicionado a la chica un poco más en menos definida en la esquina y han puesto lo más definido en el centro. En el centro. Bueno, esto es más right? Sí, sí, sí. Posterior. ¿Qué erectores? Erectores. Corner turn to your right. Muy, muy bien. Esta chica también parece está muy fuerte, la de la derecha del todo. Sí, muy fuerte. Espalda, ¿sí? ¿Y cuál dices? Cuando se pone de frente se ven unas buenas piernas. Corner turn to your right. Para decir que me parece muy loco que una chica llegue a este punto de definición en la actualidad. Muy loco. Siempre las de medio van a ganar. Por el turn to your right. Porque no siempre es así. Totalmente. Luego empiezan. Luego empiezan. Que si el tongo, que si no sé qué, no. El juez coloca realmente el orden en su cabeza. Antes no lo ha explicado, ¿no? Un juez que ha colocado solamente como ha querido. Por el turn to your right. Tiene aún más valoraciones de los jueces. Por el momento. José, es de Barcelona.
Lo que decíamos antes era, las dos personas en la punta han cambiado una de la punta, ahora han puesto la chica más alta. No, la más alta en el extremo y la más baja. Mi pareja sueca y me habla maravilloso. Vamos con la clasificación. Recordad que en esta categoría también no está nunca, pero hay una pro card para la ganadora. Crazy pro card for the winner. ¿Ha estado? Sí. Good luck to everyone. La clásica. En castellano, muy precioso. En sexta posición. Vale. En quinta. En quinto lugar. Vale, ahora, venga. Con el dorsal L48, Jessica Fabiola García Galeano. Sí, que es verdad que es la que menos definición lleva, de condición, aunque las formas son muy bonitas. Claro, sí, no, tema de condición. Y tamaño hay. Exacto, sí. Un poquito más de condición. En cuarta ahora. Posición, fourth place, is for number fourth place. I-67, Anastasia Goncharova. Mira, yo a mí... Puede haber un poquito de polémica aquí, ¿no? A mí me gusta mucho esta chica. A mí también. ¿Qué ha pasado aquí? Las líneas. A lo mejor demasiado... agresivas, dijéramos, las líneas. O sea, muy fuerte. ¿Más para fit body? Sí. Medalla de bronce. Tiene mucha pierna. Bronze medal. La espalda. Third place. Espalda muy grande. Tercer lugar. Para el dorsal. Z99. Z99. Clemens Maleval. Clemens. Clemens muy bien también. Yo tenía esta duda para mí entre estas dos. Para mí. Aquí no tenía tan claro, pero... Quizás un poquito de... Silver medal is for number G44. Denise Dos Santos Evangelista. Fuerte aplauso para ella. Muy bien. Muy bien, Mayra. Pero Bastos de Arroba Cabana. Muy merecido. Muy merecido. Body lo relega más en culturismo. Sí. Y figure es un poco menos. Muchas gracias. The fifth and the fourth, you can leave the stage. Sí, y comenta Brando que son... Imagino que poco a poco será más fácil más gente, habrá más clasificarlo. La quinta y la cuarta, por favor. A mí a veces me cuesta entender el decir, bueno, la figura es importante aquí, o sea, sí. Figura, prefiero, la niña va a determinar más que la masa muscular y se queda. ¿Debería? A ver, las tres. Je sors de la scène. Troisième place. Bon, je suis désolée, ça se verra sur la vidéo. Je suis dégoûtée, ça craint, mais en vrai, quand t'es sur scène, tu peux pas trop contrôler tes émotions. Et je suis très compétitive, et je me voyais en deuxième place et pas en troisième. Mais troisième place, c'est Espagne, ça va. On va aller à Boston, c'est tout ce que j'ai à dire. On va aller à Boston, et puis voilà, après, j'ai fait un test urinaire. Trop bizarre. Je dis, mais je suis troisième, je vais pas faire des tests urinaires. Je lui ai dit au gars, je suis que troisième. Hein. Il me dit, si, tu vas faire un test. Ok. Bon, ça va, j'ai réussi à pisser. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Donc voilà. Et là, on va attendre pour Simon. Le prochain va commencer. Par contre, il fait chaud sur ça. Le prochain va commencer. Et puis voilà. On va aller voir le bichon. Bon, en tout cas, les backstage, on est vraiment très très bien. Et ce qui est intelligent, c'est qu'il y a ça. Tu peux pumper avec ça. Tu peux accrocher tes élastiques en haut et tout. Non, franchement, les backstage sont vraiment top. Ça, c'est cool. Par contre, j'ai bien envie de manger une petite tortilla. Comment j'ai mangé ça? Ah, c'était fait déclasser en figure. Putain, je peux pas l'ouvrir, sinon. Ça, j'ai pas de contour sur moi. Je crois que ça va être trop compliqué, en fait. Opération tortilla échouée. Bon, opération tortilla échouée, mais opération pomme, là je pense qu'on peut pas l'échouer celle-ci.
65, Simon Buis Bouzier. La gente loca. Hostia, también está muy bien. Seco, ¿eh? Y grande. Sin es muy la, denso. Sin la C, no es muy denso. Es muy denso. Pero es muy ancho. Es muy ancho. Lo que suele decir buenos jalones. Sí. Muy bien. Y con el dorsal. Sí, 61. Sí, hostia, quedaos quietos un momento. Sorprende, ¿verdad? Algo un poco más fino. Sí, este nos ha tenido un poquito, este último. Muy, sí, verdad que lo muy veo. Este sí, de cintura. Sí, sí, muy bonito. Muy bonito. Sí, no, 65. La masa de chaval, este es una idea de olla. O sea, Ander tiene un tronco. Age 29. La gente lo celebra, ¿eh? Esto va a ser una guerra, ¿eh? Pues la gente va loca, tío. Está aquí chillando. Sí. Pasión. 67. Wow. Qué difícil, tío. Qué difícil, tío. Qué ancho esas, tío. Es... Irra está muy grande. Irra está muy grande. Muy grande. Face front. Y Ander está abusando de su pose porque sabe que esa pose vuelve loca al público. Nos tiene enamorados. Vuelve al público. Nos tiene enamorados. Mira, muy frontal, muy valiente. Sí, sí, sí. Sí. Como turn to your right. Veo muy bonito también a Ferran. Sí. Buen brazo. Buena cintura. Claro, hay dos, es que es lo que te digo, aquí por dónde vas. Gerard para mí Gerard es sincerado también. Claro, el tamaño está al lado del otro. Hay que ver si... Es si, que el tamaño es... Es que el de medio el tamaño es una barbaridad. Es una barbaridad. Claro. Se sale un poco de la línea, ¿no? Sí. Incluso. Mucho trabajo de espalda. Puedo turn to your right. Quizás la puesta a punto puede ser en algún momento determinado... Más crítica. Crítica. Es que yo creo que van a hacer ahora esto. Van a hacer los pequeños detalles. En esta masa. Cada pose, o sea, cada pose hay que apretar. Hay que puntuar. Hay que puntuar cada pose porque luego te relajas un poquito. Line. Y sea esa que te miran. Thank you. And all the other athletes, can you stay on the back line on the y están stage? En esto, ¿eh? Están en que te miren justo en ese momento. Y la foto te la hagan. Ahí se monta. Number L13, number... What's your number, Ferran? Porque por norma general, 29, los cuerpos no tan altos suelen ser más simétricos, más compactos, más llenos. Proporcionados, más llenos. Claro. Number claro, 71, cuando te sale un tío, menos 30, gigante, lleno y tal, pues sí, claro. 65, claro. La gente switch se pone places. Mano a la cabeza. No, te gira la cabeza. Okay. Este movimiento... Stay on the line, we're gonna do last round. La line, mira, cada vez la line es un metrito menos. Sí, cada vez, o sea, el medio no tiene espacio, mira, tiene el no, delante suyo. Están tapando, este, sí. Take some space. Tienen que abrirse. Tienen que abrirse. Thank you, Eva. Cuidado esta deshidratación, ¿eh? Mucha calor ahora ahí. Sí. Calor, los number nervios. 67, number 71, la tensión de apretar. Apretar tinte, cansa mucho. Tinte, cansa tinte, mucho tinte, posar. También el con el tinte. Está atento a esto. Organización muy bien. Muy bien. Muy bien con esto. Quarter turn to your right. Estar ahí, te sacan las fotos, todo, pues mi opinión, alguien te ayuda. Es una pena todo. Que por una cosa así, en un momento determinado, te estropee la mitad de tu presentación. Turn to your right. Turn to your right. Stay on the line. Right. ¿Podemos decir que llevan con este grupo bastante rato? Va a ser importante y now, no estaría let's go en for principio post muy down. Bien visto por el Numen Physic. Post down. Había que acabar de valorar, ¿no? La gente loca.
loca, tío. La gente loca. Con el dorsal C43, Omar Suile. Vamos a pedir a Jimmy que suba al escenario. Presidente de WNBF Francia y atleta pro Men's Physique. Batman no entiende nada. Batman no entiende nada, pero... Te guardamos para lo bueno. Vamos con el top 5. Complicado. En quinta posición, con el dorsal Z65, Simón Fouzi. Y ponte a ordenarlos tú, te dirán 100 tíos que no entienden nada. Esto es muy complicado. Yo tampoco entiendo. Pero lo respetamos. Batman, ¿estarías ahí tú? Cuarta posición. Sí. Sí, hombre, para sí. El atleta con dorsal. Estaría ahí dando guerra. Aquí. Z71, Basim Onastiri. Yo creo que sí. Yo aquí entraba yo. Medalla de bronce, tercer clasificado y ganador de un premio de 500 euros en metálico. Dorsal Z66, Otman Bekawi. ¿Qué ha dicho? Segundo clasificado, dorsal Z67, David Osteu. Dorsal E15, Ander Basurto Galdós. Salut tout le monde, il est minuit passé, on sort du resto avec Simon, on a quitté les parents et c'était trop bon. Voilà, bah écoutez, on rentre à l'appart et je vous reprends après. Bon ça y est, je vous reprends, on va se poser tranquillement. Et donc du coup, je voulais vous parler un petit peu de la compète pour vous faire un petit retour quand même. Où est-ce que je vais vous poser? Mais ouais, très très bonne compète, quali de ouf, les backstage et tout, super quali. D'après Jimmy, c'était le plus gros show en Europe. Là, plus gros show en Europe, peut-être. Oui, là je avec, le vois. Là. Avec UK et tout, ouais, il y a moyen. Ouais. Et non, franchement, trop bonne quali de show, bonne ambiance. La salle de spectacle est très belle. Ouais, de ouf, c'était vraiment joli. Oui, très très joli. Dans la vidéo, j'imagine. Et une bonne qualité de staff et tout, franchement cool. Et donc du coup moi sur scène je monte avec je sais plus combien on était, 6 figures. 5 je crois qu'on était 5 en fait. Ouais. Non, oui, parce qu'il y en a une qui est pas venue. Et au final je fais 3e. Alors je suis dégoûtée quand j'étais appelée en 3e position. J'ai été dégoûtée. Alors les gars, si vous me connaissez et si vous ne me connaissez pas, vous savez à quel point je suis franche et je suis honnête envers moi-même et les autres, et que quand je suis contente, je suis sincèrement contente, et quand je suis pas contente, je suis sincèrement pas contente. Voilà, donc oui, quand j'ai récupéré ma médaille de 3e place, j'ai fait ah, parce que en fait je pensais vraiment que j'allais être 2e place, sans aucune prétention, aucune, et sans aucune méchanceté envers la seconde place, enfin, celle qui a fini seconde place, mais ah, je crois que tu manges un cookie. Mais non, je me voyais vraiment seconde place. En plus, les jupes m'ont beaucoup fait tourner. Et voilà, j'étais un peu deg du coup. Donc je récupère ma médaille et je sors de scène et j'ai fait un test urinaire. J'étais contente, c'était la première fois. Je savais pas, mais Espagne, ils font un test urinaire. Même pour le top 3 quoi. Donc j'ai trouvé ça cool. Et au final, bah, j'ai versé une petite larme de déception parce que j'aurais voulu être au-dessus du top 3, enfin être en top 2 quoi du coup. Bon c'est pas grave, hein. C'est quand même une belle perf, hein. Quand même du niveau. Après sur scène, je me suis bien amusée sur scène.
Alors je souriais pas trop parce que j'étais quand même focus et je voulais quand même parfait. Et potentiellement trop dans ton... Peut-être trop dans mon délire de vouloir parfait, je sais pas. Et au final après j'ai pris du recul très vite et je me suis dit non mais en fait 3 c'est très bien meuf. Parce que scène, on a fait UK avant et là on a fait Espagne. Et c'est deux grosses scènes, c'est des grosses athlètes. À chaque fois c'est des physiques super matures et tout. Moi j'ai 26 ans, ça va. Ah. Oui, après si on prend en compte son âge, la maturité qu'elle peut mettre et tout, c'est sûr qu'il y a encore de la marge et qu'elle perf vraiment fort quoi. Mais c'est juste que naturellement, mais quand t'es entre guillemets pas récompensé, t'es compétiteur en fait, donc forcément tu veux toujours faire mieux. Bien sûr. C'est mal. J'adore parce que les mecs ils vont voir, ils attendent, les mecs ils font leur vie là. Ouais, je sais pas si on va nous entendre en plus. Je sais pas si la qualité du son est bien. En train de vider de la vaisselle quoi finalement. Normal. Au moins c'est fait, on est d'accord. Voilà. Moi je vous conseille déjà de vivre avec quelqu'un qui a exactement la même façon de vivre que vous. Parce que si tu vis avec quelqu'un là qui est plus du genre à se réaffaler sur le canapé et à rien branler quand tu rentres du resto alors qu'il faut vider de la vaisselle. Voilà, choisissez bien vos personnes. Bref. Ouais, voilà, après du coup je me suis dit que non, c'était plutôt très très bien. Un bon classement quand même. Et je suis quand même contente aussi du physique parce que je suis été plus remplie quand même, mais plus dur, un peu plus dur sur le dos, sur la chaîne poste visiblement. Et surtout, j'étais encore très très courbaturée des quadriceps et des abdos de UK de la semaine dernière, parce qu'il y a une semaine on était à UK. Et donc du coup, ça ouais, j'ai très très fatiguée sur les jambes. Donc je pense que ça a dû forcément jouer en ma défaveur. Enfin, j'étais pas au top de ma forme par rapport à UK où sur les jambes j'étais au top de ma forme. Donc voilà. Et puis Simon, après, il est passé en pro-show. Et c'était son premier vrai pro-show, on va dire. Et il a quand même mis à la main de quelques types. Il a fait top 5. Et que dire après? Ben ouais, 5ème place. Bon, en soi, on était 17 hein, sur la scope. On m'a dit qu'on était 17. Donc 5 sur 17 sur un pro-show, c'est pas mal du tout. Tu me diras. Mais je reste un peu sur ma faim, pas parce que j'ai fait le même score qu'à UK, mais parce que en fait ils ont appelé des first call out et un second call out, mais qui en fait n'avaient aucun rapport. Et ça en fait c'est super. Enfin, tu veux pas te rendre compte de rendre réellement ta place en fait, j'ai l'impression, sur des pro shows. Alors déjà les dudding entre pro shows, ça change de juge, donc naturellement vu que c'est un sport subjectif, mais là, tu peux avoir. Tu peux faire top 3 ou premier carrément ta catégorie la semaine à X pays, et la semaine d'après tu vas dans un autre pays, en fait tu vas faire peut-être hors top 10, tu te dis mais pourquoi? En fait c'est juste que c'est subjectif et que si le headshot n'a pas envie de te mettre là, il te mettra pas là. Mais là le truc qui était bizarre pour nous, c'est que je suis appelé en first call out et en fait je tourne au milieu, vous allez voir dans la vidéo sûrement. Et en fait, je suis toujours dans le top 3, et surtout sur le 2, sur la place du 2. Ouais, et donc, en fait, je me dis, c'est bon. Et je sors, on me dit de sortir, on appelle nos 4 numéros, on me dit de retirer en backline. Et en fait, je me dis, bon, c'est bon, tu vois, je suis dans le top 4, info sûre, et probablement le 3, voire le 2, parce que j'étais à la place du 2, et j'y suis resté. Et au final, tout le monde fait son passage. Et je suis appelé en fait cinquième, alors que je suis un peu surpris, mais je fais bon, mais c'est quand même une belle perf, mais je suis un peu surpris de voir que j'ai appelé cinquième, alors que pour moi dans ma tête, j'étais deux ou trois, mais pas cinq. Quatre ou trois. Donc voilà, après j'ai pas encore vu les photos, ni les vidéos et tout, je sais pas du tout mon physique, j'ai vu deux, trois photos passer, je suis quand même content de voir ça, parce que je me vois toujours tout petit, mais enfin je me vois maigre, et en fait quand je me vois sur scène, je me dis putain, mais en fait non, je suis quand même... Il y a un peu de masse, quoi. Il y a un peu de masse. Et donc voilà, après, ouais. Belle perf. Une bonne journée. Ah oui, très bonne journée. Très bonne expérience. Très beau show. Il n'y a rien à dire dessus, franchement. Le seul défaut, c'est qu'en fait, les gars, c'est un show international. Arrêtez de parler espagnol. Parler anglais, quoi, même. Putain, parler anglais. Il parle beaucoup d'espagnol. Et même Jimmy, il était là, il disait non, c'est pas le Sentai, je sais pas quoi. Il se forçait à parler anglais. Il a raison. On est un show international. Moi, je comprends rien. C'est un show international, mais il y a 90% des athlètes, c'est des espagnols. Ouais, ça fait un peu chauvin. Donc, c'est le problème. Ça fait un peu chauvin. D'un côté, moi, je peux comprendre. Et du coup, maintenant, ce qui est prévu pour nous.
Ça va être du repos déjà. On va reprendre le boulot sérieusement parce qu'on a beaucoup de boulot sur les coachings. Moi, il faut que je monte les vidéos. J'ai 4 vidéos à monter sur YouTube, donc celle-ci. Mais auparavant, j'aurais déjà sorti celle de Montargis, celle de UK. Et UK, je pense que je vais faire 2 vidéos tellement elle va être longue. Et du coup, celle de Spain entre-temps. Donc elle va sortir cette vidéo-là. Là. On est le 13 octobre 2024. Elle va sortir, je pense, dans un mois. Voilà. En novembre, je pense. Novembre, que ça me lèche le temps. Et on sera sûrement en prépa pour les championnats du monde. On monte notre dernière et ultime scène. Ouais, championnat. Pour moi, l'année est déjà entre guillemets finie. Ouais. Parce que je suis pro, donc c'est bon, maintenant mon cerveau il est ailleurs. Mais pour toi, c'est la course à la carte. Moi j'ai du travail à faire. Donc du coup, prochaine compétition, c'est Boston le 23 et 24 novembre. Championnat du monde donc. À Boston, voilà. Et entre temps, du coup, on va se faire à partir de ce soir jusqu'à le week-end prochain. Donc le dimanche et là jusqu'au on va se faire un day break et un training break aussi. Ouais. Alors peut-être qu'on va aller à la salle mais vite fait, mais voilà, le corps, l'esprit, tout a besoin de repos et on a quand même tiré dans la machine quand même. On est très fatigué donc et je pense que ça se voit sur un tout petit peu. Je pense que ça se voit. Et voilà, en tout cas je vais clôturer la vidéo YouTube ici et mais avant tout il y a les gros cookies. Il y a les gros cookies. Il a failli jeter lui. Mais attends, il faut les passer au micro et tout là. C'est parti. En plus, on a un beau micro là. Bon voilà, on a mis les petites médailles pour faire joli. Mais nous avons attention, pistache chocolat blanc, Kinder Bueno, Nutella et figue caramel salé. Nous sommes des clients particuliers. Nous faisons des crash tests avec lui. Et putain, il a déjà là. Il a déjà coulé le tien là. Hop là. Dépêche-toi, j'ai plus de batterie. Mais alors, ça c'est le crash test pistache. J'adore ça. Yes. Attends, regarde quoi. Pistache chocolat blanc. C'est bon? Ok, ça a l'air stylé. Moi, là c'est caramel salé ou. À la figue. Ok, bon. Trop bon, on va déguster ça. Je vais couper le vlog ici parce que du coup j'ai plus de batterie. N'oubliez pas, mais... Bastien Toulousain, Cro-Cookie. Vous pouvez commander vos cookies là, je crois que c'est combien? C'est 4€ cookies, 3,50€ cookies. Oh bah oui, le prix après vous ça. Vous verrez sur Cro-Cookie au mais il essaye de faire des nouveautés et tout, et nous on le pousse à faire des nouveautés. Ah ouais, parce qu'il y a des bêtes. Parce qu'il est gourmand et nous aussi on est gourmand. Et on va continuer à déguster tout ça. Carrément. Bon appétit à vous. On vous dit à bientôt dans un nouveau vlog. Lâchez-moi des biceps. Bisous.